C'était. Ah, là, voilà la photo. Là. La première à gauche. Voilà. Et je reconnais d'ailleurs les lieux, hein, en dehors de Paris, une espèce de petite villa dans un parc. Et il y avait donc un gars déguisé en adoc, c'est normal, il fallait un adoc, un Tintin. Et alors André Barret me dit, écoute Jean-Pierre, c'est plus difficile, tu vas devoir jouer la comédie. Ah bon? On me donne mes loups sous le bras. Et alors tu vois, il y a des bandits, tu vas devoir les suivre. Alors, c'est pas difficile, hein, derrière un arbre, tu ne joues pas la comédie, c'est tout simple. Et finalement, j'imagine que George Wilson, qui allait jouer le père de Lambert, qui allait jouer Haddock, le contrat était déjà signé, j'imagine, tu me contredis si je dis des bêtises, et j'imagine que c'est lui qui allait dire à André Barret, oui, avec ce petit gamin-là, on peut faire quelque chose, ou bien c'est pas possible. Et j'imagine qu'il a dit oui. Il est vrai que le personnage de Tintin, personne ne ressemble à ça. Personne ne peut ressembler à ça. Mais j'étais une réalisation plausible. Et pour tout à coup, c'est devenu évident pour tout le monde, je ressemblais à Tintin, à mon grand étonnement. A débarqué à Paris sans avoir prévenu la production, il s'est dit, puisque je suis à Paris, je vais dire bonjour à la production. Et il arrive à plus ou moins en même temps que moi. Donc, à moi, on me dit, Hergé est là. Et Hergé dit, mais Jean-Pierre est là. Alors, on va vous présenter. Ah oui, alors André, dans le bureau, très solennel. Hergé, Jean-Pierre, Hergé. C'était moi. Mais ce qu'il allait me dire, ça allait me booster à mort ou bien m'écrouler. Hergé, de toute façon, est une personne très calme et très, très honnête, très, très gentil, très proche des gens. Il n'aurait pas dit du mal, de toute façon. Je ne sais pas, il n'a pas choisi. Il a certainement vu la photo et je ne sais pas très bien. Mais la première fois qu'il m'a vu, alors il s'est là, quelle allait être sa décision. Ça a duré une heure, quelques fractions de secondes, mais pour moi c'était une heure. Je tremblais dans mon cœur. Alors il pose sa main sur mon épaule, il incline la tête et très paternellement, il dit « Ah oui, c'est bien lui ». Là, il n'a pas dit « Oui, vous avez bien choisi, oui, il ressemble, oui, il convient », il a dit « C'est lui ». À 17 ans, n'étant pas comédien ni rien du tout, il dit « Georges, la vedette c'est Tintin, hein ?» Mais moi, je ne disais pas ça pour moi, je disais ça pour le personnage, il ne fallait pas qu'il soit étouffé par un George Wilson rayonnant. Et alors, effectivement, le metteur en scène. Mais oui, justement, Georges, je voulais t'en parler. Continue comme ça, c'est très bien, mais un petit peu moins. Quand tu es tout seul, oui, mais quand vous êtes deux. Et alors, il a compris. Et donc, ça a été une merveilleuse communion, parce que ce que je faisais là, c'était un véritable affront. Jamais un petit gamin de 17 ans, qui n'est même pas comédien, aurait osé. Mais moi, c'est parce que c'était Tintin en moi, je défendais Tintin et Hergé. La moto, ben, j'ai eu le permis de conduire moto à Paris. Ça, c'était... Je faisais pipi dans ma culotte, hein. À l'étoile. Alors, sortir de l'avenue à l'étoile, ben, avec un sidecar. Oh là là, j'avais peur. Mais ça m'amusait. Alors, la moto, on a failli se tuer. Jamais dit, André. Donc, dans la Toison d'Or, on poursuit à moto une voiture, une bite noire. Et les bandits, bam, 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 se défaussent mal, j'avais pas peur. Hein. Et alors finalement, la voiture doit tomber dans le ravin. Pour ce, les techniciens, ils trafiquent les freins, donc la voiture dérape et hop, tombe dans le ravin, naturellement, si on sait conduire. Et alors le pilote, la portière est ouverte, il a une aire de réception en salle, il saute, on ne le voit pas, sort du champ de la caméra, et la voiture, elle arrive en bas, elle explose, elle brûle. Et moi, je me rapproche, je m'amusais bien, moi. Hein.
Et Adoc derrière qui gesticulait, c'était pas facile. Il tenait Milou, il tenait sa casquette, et il bougeait, il jouait en plus. Et moi, je m'amusais comme un fou. Et alors, c'était fini. Et le lendemain, le metteur en scène, j'aimerais bien qu'on refasse encore un plan. Et voilà, parce que, bon, on va encore refaire un plan. La voiture était déjà trafiquée. On refait le plan. Et alors, plus près, un plan plus près. Et j'arrive tout près, et la voiture dérape. C'est combien ça? 30 cm. Si je passe droit, je cogne le guidon et on bascule dans le trou. Et réflexe à la Tintin, j'ai incliné la moto et on est passé. Je la connais, hein, oui. Évidemment. C'est là où on voit Paris on voit qu'il est fier. C'est la photo Paris Match. On voit qu'il est fier et voilà. Ça, c'est exactement la relation. Il était fier de moi. Moi, j'étais en admiration pour lui. Le respect l'un pour l'autre, voilà. De l'intimité, beaucoup d'intimité, de gentillesse. Mais tout naturel, tout naturel. Ce qui m'a frappé chez Hergé, c'est que j'ai assisté à beaucoup de choses et il y avait, je ne dirais pas un conflit, mais un sujet. Et tout le monde donnait son avis, et lui ne disait rien. Et puis tout à coup, il donnait son avis et son avis faisait autorité. Et comme je vous ai dit, j'avais comme mission de ne pas décevoir les enfants. Et la plus belle récompense de ma vie a été, j'avais déjà environ 40 ans, je vois encore Hergé une fois, je l'ai vu souvent évidemment. Hein. Il me dit finalement, Jean-Pierre, c'est merveilleux et je t'en remercie, tu n'as jamais démythifié mon personnage. Là, ça m'a fait quelque chose et quand j'y pense, j'ai presque des larmes aux yeux. Je vous jure, je ne suis pas la comédie. C'est vrai que j'ai incarné Tintin, je suis resté Jean-Pierre, mais pour le public, je n'étais plus moi, j'étais Tintin. Ma fille, ma petite fille, elle avait 6 ans, elle apprenait à lire, elle avait Objectif Lune sur les genoux, elle me dit, papa, comment as-tu fait pour aller sur la Lune? Enfin, mais c'est pas moi. Mais si, regarde, c'est toi.